bienvenue dans notre émission Les Millionnaires sur Dream TV. C'est vrai? Bien sûr, Denis, 15 millions de téléspectateurs vous regardent en ce moment même. Êtes-vous prêt? Oui. Alors, nous commençons. La première question pour 1 000 $. Qu'est-ce qui se passe au niveau des plaques lors d'une formation des chaînes de montagne? Réponse A. Il y en a une qui passe par l'autre. Réponse B. Elles passent l'une à côté de l'autre sans se heurter. Réponse C. Il y a juste une plaque. Réponse D. On se jouxtant, elles soulèvent une masse énorme de matériel. Je pense que c'est le A. Réfléchissez bien, Denis. Prenez votre temps. Oui, oui. Je me suis trompée. Je crois que c'est le D. Définitivement? Oui. La réponse D, c'est... Laissons l'ordinateur vérifier. Bravo, c'est la bonne réponse! On passe à la deuxième question pour 10 000 $. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle des roches sédimentaires? Réponse A. Ce sont les sables et les boues de l'océan. Réponse B. Il s'agit des roches volcaniques. Réponse C. C'est une transformation des roches métamorphiques. Réponse D. Il s'agit des roches qui forment la lithosphère. Les réponses possibles, c'est... Je ne suis pas sûr. Je choisis le téléphone de secours. Bien sûr. Bonjour. Voici mon explication. Les roches sédimentaires, c'est-à-dire ces roches qui proviennent de la transformation des sédiments comme les sables et les boues, sont très abondantes dans les chaînes de montagnes et contiennent des fossiles d'organismes marins, ce qui implique que les sédiments dont elles sont dérivées se sont déposés dans un milieu marin. Merci de nous avoir aidés. Denis, avez-vous choisi votre réponse? Oui, c'est le A. C'est une bonne réponse, rappelons-la. Maintenant, la question numéro 3 pour 100 000 $. Attention, lequel de ces schémas correspond à la formation de chaînes de montagne? Le A, le B, le C ou le D? Est-ce que je peux voir encore l'image B? Bien sûr! Oui, je suis sûre, c'est la réponse B. Et oui, encore une bonne réponse! Mesdames et messieurs, nous passons à la phase finale. Nous allons jouer pour 1 000 000 $! Denis, voulez-vous continuer de jouer? Oui, bien sûr! Alors, c'est parti, notre question? La théorie de la tectonique des plaques vient réconcilier horizontaliste et verticaliste en proposant un modèle qui tient compte des... Réponse A, montagne. Réponse B, compression horizontaux-verticaux. Réponse C, compression latérale. Réponse D, roche sédimentaire. Ah, c'est dur. Attention, il vous reste juste 5 secondes. Est-ce que je peux appeler mon ange gardien? Bien sûr, les anges sont bienvenus ici. Pourquoi tu me déranges? S'il te plaît, aide-moi, je peux gagner 1 000 000 $. Mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Jusqu'à la fin de mes jours, je travaillerai mon SVT. Ah oui, c'est le C. Maintenant, c'est le moment de la vérité. Oui, vous avez gagné. Oui, oui, j'ai gagné. Où sont mes dollars?